une idée des conseils de quartier que de doter cette place des causeuses d'une œuvre d'art. Nous avons associé les habitants à la fois à l'audition des différents candidats, des différents artistes, et nous avons proposé à tous les Palaisiens de voter, de s'exprimer sur l'œuvre qui les touchait le plus. Donc c'est l'œuvre d'Iris Vargas qui est l'heureuse lauréate. Et finalement, cette œuvre, c'est le résultat d'un dialogue, et donc je pense qu'elle porte bien son nom. Les causeuses, elles sont faites avec du marbre. C'est des marbres de Pyrénées orientales, une partie brute et une partie polie, qui fait qu'il y a ce contraste entre les matières. Voilà. Cette œuvre d'art, elle apporte forcément à l'identité de ce quartier, qui est le quartier Camille Claudel. C'est un quartier sur lequel, au-delà de cette œuvre d'art, on retrouve beaucoup d'infrastructures, à commencer par une salle municipale, un square qui a été inauguré, une aire de jeu qui doit arriver d'ici peu, et puis il y a également un gymnase qui vient d'être primé haute qualité environnementale. C'est un quartier qui est un jeune éco-quartier qui vient d'être primé par le ministère de la Transition écologique. Il a obtenu le plus haut niveau dans le label éco-quartier. Et sur lequel il y a une forte attention des services municipaux et de façon générale de l'ensemble de l'équipe municipale. Forcément, cette œuvre d'art va lui donner un supplément d'âme. Pour moi, ici, dans ce quartier, comme un point de rencontre conviviale et aussi une façon de pouvoir vivre en quotidien avec l'œuvre d'art.